reste moins d'une heure pour contrecarrer le plan d'Eggman. On n'a plus le temps. On doit entrer dans la forteresse maintenant. En effet, tu as raison. C'est notre dernière chance de ramener la paix dans le monde. Mais quand la bataille sera terminée, on devra se séparer de Sonic. Je veux dire, ce Sonic, pas vrai? Oui, si le rubis fantôme disparaît, j'imagine qu'il sera renvoyé dans sa dimension. Merci pour tout, Sonic. J'oublierai jamais ce que t'as fait pour nous. Garde tes émotions pour plus tard. On n'a pas encore fini. Il y a encore une bataille à mener. Exactement. C'est notre dernière chance. Donnez tout ce que vous avez. Jamais. Je vais réduire votre résistance en cendres, et vous en même temps. Oh, attends, tu plaisantes là? Ce truc fait partie des effets spéciaux, pas vrai? Non, malheureusement. Tant qu'on est sous l'emprise du rubis fantôme, tout ça, c'est la réalité. J'arrive pas à y croire. On peut pas gagner contre un truc pareil. Le soleil va bientôt s'effondrer sur vous tous. Boum! Terminé! Vos misérables vies touchent leur fin. Regarde, il se passe quelque chose. Eggman avait parlé des prototypes de rubis fantômes. Fais-moi voir ça. Oh! Waouh! Donc c'est vrai! Il disait que les prototypes de rubis fantômes ne réagissent qu'au contact de celui qui les a activés. Donc ça doit être toi! C'est sûrement ton courage et ton héroïsme qui t'ont permis de l'activer. Et avec un peu de chance, ton prototype te permettra de faire disparaître ce soleil. Oh, on avait réussi jusque-là. On était si près. C'est tout bonnement horrible. Y'a rien qu'on puisse faire. Peut-être qu'on doit combattre le feu par le feu. Si tu peux t'approcher assez du soleil, le prototype devrait annuler l'effet. Tu vas te faire carboniser avant de l'atteindre. Laisse tomber la recrue, reviens. Éclair. Nous dépend de la recrue maintenant. Les chances de succès sont minuscules. C'est une tentative désespérée. S'il te plaît, reviens en un seul morceau. Éclair!
Le soleil, il a disparu. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Impossible! Je croyais tous les prototypes détruits! Une négligence fatale, docteur. Voilà pourquoi je vérifie toujours tout, comme tout bon scientifique. Je crois que la roue tourne, les amis. C'est enfin l'heure de reprendre l'avantage et d'aller botter des fesses.